Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment gagner de l'argent en ligne avec la banque N26 et comment les débutants complets peuvent gagner entre 100 et 700 euros par jour avec cette méthode. Je vous en dis plus après l'intro. Avant de commencer les amis, sachez qu'il nous reste quelques places pour le workshop de cette semaine, un workshop 100% gratuit qui va vous montrer le moyen le plus simple et rapide de pouvoir gagner de l'argent en ligne en 2023. Donc cliquez maintenant sur le bouton juste en dessous. En attendant, ce gamin de 16 ans qui passait de 0 à 10 000 euros par mois en seulement 90 jours en suivant notre formation. Donc N26 c'est quoi ? N26 c'est une banque allemande en ligne qui est très populaire et qui est en vogue depuis plusieurs années maintenant, aux côtés notamment de la banque anglaise qui s'appelle Revolut. Ce sont des banques très prisées par les entrepreneurs en ligne et très prisées par toutes les personnes qui travaillent dans le digital. Donc, quels sont les avantages d'une banque comme N26 ? Donc, les avantages d'une banque comme N26, c'est que c'est 100% digital. Donc, vous n'avez pas d'endroit physique, en fait, de banque physique où vous allez vous déplacer et par exemple déposer des chèques ou déposer des billets, de l'argent liquide. Tout est digital. Et donc, vous pouvez directement faire des transferts d'argent directement depuis votre compte N26. Les transferts avec d'autres personnes qui ont également un compte N26 sont très rapides, se font en quelques secondes. Donc, tout est digital et ça arrange, ça facilite de nombreuses choses. Ce qui est bien également, c'est qu'il n'y a pas de frais de tenue de compte, il n'y a pas de frais de tenue de carte. Donc, vous allez économiser en moyenne 6 euros par mois. Et donc, à l'année, ça va vous faire gagner plus de 70 euros juste en frais de compte. Ces 70 euros, vous pouvez les utiliser et les investir, par exemple, ou en faire autre chose. Ces frais de tenue de compte, vous les avez généralement avec les banques traditionnelles qui se rémunèrent grâce à cela. Cette banque N26 est également très intéressante pour les nomades digitaux qui veulent, par exemple, bosser et travailler depuis l'étranger. Par exemple, moi, je travaille à l'heure actuelle et je vis depuis le Brésil, ici à Rio, et tout simplement, j'utilise ma carte N26. Pourquoi j'utilise ma carte N26 ? Parce que chaque fois que je fais un achat, par exemple au supermarché, eh bien, je vais payer directement au taux du marché. Et ça, c'est excellent. Imaginons qu'aujourd'hui, vous alliez sur Google et que un euro fasse, par exemple, 5,55 ou 5,51. Eh bien, c'est exactement le taux que je vais payer au supermarché et je ne vais pas payer de frais cachés. Et ça, c'est quelque chose que vous n'aurez pas avec une banque traditionnelle et avec une carte bancaire de banque traditionnelle. Donc, ça va vous faire économiser un tas de frais cachés que vous pouvez avoir avec les banques traditionnelles et également, vous allez profiter d'un taux avantageur. Par exemple, quand l'euro est avantagé par rapport au reais, eh bien, ça va vous allez gagner du pouvoir d'achat et pouvoir faire plus de choses avec vos euros. Donc, comme vous l'aurez compris, avoir une banque comme N26, ça vous apporte bien plus de flexibilité qu'une banque traditionnelle. Et c'est pour cette raison que je vous ai mis un lien juste en dessous pour vous inscrire immédiatement sur N26 et obtenir, il me semble, un cashback. Donc, cliquez juste sur le second lien dans la description pour vous inscrire immédiatement sur N26. Donc moi, pourquoi j'ai décidé de me lancer sur des banques comme N26 ou bien même Revolut ? C'est tout simplement parce que j'ai été déçu par les banques traditionnelles. Vous avez raconté sur une autre vidéo ce qui m'est arrivé avec ma banque traditionnelle dont je ne vais pas citer le nom, mais en fait, c'est une banque traditionnelle française qui, du jour au lendemain, m'avait coupé l'accès en fait, à ma carte bancaire d'entreprise que je ne pouvais plus utiliser pour payer différents software et faire fonctionner mon entreprise. Donc, je ne pouvais plus payer mes publicités Facebook, je ne pouvais plus payer mes logiciels comme ClickFunnels, comme ActiveCampaign, etc. Et donc, ça m'a mis vraiment dans un embarras. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc, vous n'avez pas ce genre de problème avec des banques comme N26 parce qu'elles ont des supports clients, un support client excellent. La dernière fois, par exemple, j'avais un petit problème avec N26 et j'avais un petit problème, c'est-à-dire que je devais changer le numéro de téléphone associé à mon compte N26. J'ai simplement, en quelques minutes, je suis allé sur l'application, j'ai fait appel au support client et en 2 minutes, ils étaient là et ils avaient un support client excellent. C'est quelque chose que vous ne pourrez jamais imaginer avec une banque traditionnelle parce qu'une banque comme N26, eh bien, elle va vous offrir un support client en quelques minutes, quel que soit l'horaire dans la journée, quel que soit le jour de la semaine. Donc, même si un dimanche à minuit, vous avez besoin de support client, eh bien, vous pouvez faire appel à eux et ça, c'est vraiment excellent.
Après, il y a une chose que j'aime beaucoup sur N26 également, c'est le fait que vous pouvez en fait diviser votre argent en sous-comptes. Donc, vous allez avoir le compte principal, celui qui est adossé à votre carte bancaire. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un compte chèque. C'est là où, quand par exemple, quand vous utilisez votre carte de crédit, votre carte de débit, c'est de là que l'argent, c'est de ce compte que l'argent va être débité. Mais par exemple, si vous recevez de l'argent par exemple d'un client et que vous les divisez en plusieurs comptes, eh bien, vous avez des sous-comptes en fait sur N26 qui vont vous permettre de faire de l'épargne et donc d'épargner une partie de votre argent, par exemple, je ne sais pas, pour faire un voyage, pour acheter quelque chose, pour faire face à un imprévu. Et ça, c'est excellent. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et qui n'existe pas, encore une fois, dans les banques traditionnelles avec ce qu'elles proposent. Et également, ça vous permet d'avoir une sécurité supplémentaire parce que parfois, malheureusement, il y a certaines entreprises qui sont crapuleuses et qui vont vous débiter plus d'argent que ce qu'elles devraient vous débiter. Et donc, pour vous assurer contre cela, vous pouvez mettre plus d'argent de côté sur un sous-compte pour éviter, par exemple, qu'une entreprise puisse vous débiter beaucoup d'argent en une seule fois. Donc, voilà, ça, c'est excellent. C'est également une excellente banque pour les auto-entrepreneurs parce que, comme je vous ai dit, c'est très facile à ouvrir. Vous pouvez ouvrir un compte bancaire en quelques minutes, un compte bancaire N26. Ça va vous permettre également, si vous voyagez ou vous voulez travailler depuis l'étranger ou vous expatriez, de payer tout ce que vous avez à payer directement avec votre carte bancaire N26. Ils ont également une carte bancaire directement digitale que vous pouvez coupler à Apple Pay. Et donc ça, c'est excellent. Et si demain, vous décidez d'ouvrir un compte, un business en ligne de type, par exemple, marketing digital, vous allez pouvoir mettre tout votre argent sur ce compte N26. Et donc ça, c'est excellent. Ça va être très simple. Vous avez simplement à dire à votre client, à lui communiquer votre RIB et ensuite, il va directement envoyer votre argent sur N26. En plus, s'il a déjà un compte N26, eh bien, ça va faciliter la transaction et il va pouvoir vous envoyer l'argent en quelques secondes. Il y a également une vitesse de transaction qui est vraiment impressionnante avec cette banque. Par exemple, quand je veux faire un transfert de PayPal jusqu'à N26, ça ne met même pas un jour ouvré. Parfois, ça met quelques heures pour arriver directement sur mon compte N26. Donc, c'est vraiment une banque excellente si vous voulez construire un business en ligne de type marketing digital, construire votre propre agence de marketing digital, et c'est une banque qui va faciliter les choses. Donc, j'ai mis un tas de vidéos sur ma chaîne YouTube sur comment créer une agence de marketing digital en 2022-2023. Donc, vous pouvez regarder un tas de vidéos sur ma chaîne. Conclusion, N26, c'est une excellente banque, notamment pour les nomades digitales ou alors les auto-entrepreneurs. Donc, vous pouvez tester. Encore une fois, il y a mon lien affilié juste en bas. Je vous ai mis un lien N26 pour que vous puissiez vous inscrire directement sur N26. Et si vous voulez un moyen encore plus simple de pouvoir gagner de l'argent en 2022, eh bien, cliquez simplement sur le workshop juste en dessous, workshop 100% gratuit. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de regarder cette vidéo juste ici. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.